La grâce et la paix nous sont données de la part de Jésus-Christ, notre ami, notre maître et notre sauveur. Venez, approchez et voyez comme le Seigneur est bon et comme il nous veut du bien. Oui, venez, nous sommes son peuple et son héritage. Et il se réjouit de faire alliance avec nous, avec chacun et chacune. Venez, approchez, voyez et goûtez comme le Seigneur est bon. Gloire à son nom, lui qui nous a appelés, qui nous précède et qui verse en nous sa joie. Amen. Bienvenue à vous qui cet après-midi, si vous me permettez de reprendre un vieux terme, à vous qui cet après-midi êtes un peu les palafites de notre Église, autrement dit ceux et celles qui rendent possible non seulement la traversée du lac, mais surtout et avant tout la jonction de chacun de nos lieux d'Église, qu'ils soient espaces, paroisses, régions, administratifs et même exécutifs. Je crois n'avoir oublié personne. Ainsi, ce n'est pas la rive droite qui accueille la rive gauche, c'est le temple, à mes yeux du moins, et je crois ne pas être le seul, le plus vénérable de cette Église qui ouvre ses portes afin d'accueillir les croyants et croyantes d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous vous invitons à vous lever et chanter le cantique numéro 51, les strophes 1, 2 et 3. Nous vous invitons à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te prions, de nos peurs, libère-nous. De nos désespoirs, guéris-nous. De nos chagrins, console-nous. De nos fatigues, délasse-nous. De nos violences, sauve-nous. Apprends-nous, dans chacune de nos fragilités, la force d'aimer et de pardonner. Dans nos silences, viens toi-même nous parler. Le regard d'amour du Christ vient nous rencontrer, chacun et chacune au plus intime. Il nous relève de toute chute, il nous guérit de tout chagrin, il nous libère de tout fardeau. Le pardon de Dieu nous est donné aujourd'hui.
comme la fraîcheur d'une aurore, comme la main d'un ami. Que ce pardon nous conduise à dire oui à la vie tout entière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous vous invitons à vous lever pour partager ensemble des paroles qui disent notre foi. Alors j'espère qu'il y a eu assez de feuillets pour que chacun, chacune puisse partager et dire ensemble cette confiance qui nous vient de l'Église unie du Canada, cette confiance en notre Dieu. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu et éclaireur de nos vies. Nous croyons en Jésus-Christ, Sauveur, signature de Dieu pour l'humanité. Il offre son pardon à tous. Nous croyons en Dieu, Père et Mère, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Nous croyons que l'Église sur la terre s'engage à la suite du Christ par ses mots et ses gestes, insuffisante, fragile et solidaire des humains, infidèle et aimée de Dieu, au service d'un monde qui ne l'attend pas et de Dieu qui toujours la relève et l'attend. Nous croyons que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle. Amen. Et nous pouvons chanter au numéro 405 les trois strophes « Ô Jésus, mon roi, mon maître » 405. Lecture du Cantique des Cantiques, le plus beau des chants, attribué à Salomon. Qu'il me couvre de ses baisers, car tes caresses, tes étreintes sont meilleures que le vin et meilleures que la senteur de tes parfums. Ton nom
ta personne est un parfum raffiné qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Attire-moi à toi, entraîne-moi après toi et nous courrons. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Tu seras notre allégresse et notre joie. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Noire je suis et belle aussi, fille de Jérusalem. Ne vous étonnez pas de ma peau si sombre, c'est le soleil qui m'a brûlée. C'est que mes frères se sont fâchés contre moi et qu'ils m'ont imposé de garder les vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais reposer à l'heure de midi, afin que je n'aie pas l'air d'une coureuse égarée près des troupeaux de tes compagnons. Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui repose sur mon cœur. Mon bien-aimé est pour moi comme une grappe de henné des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es charmant. Notre lit n'est que verdure et fraîcheur. Je suis l'anémone éclatante de la plaine de Saron, le lys des vallées. Comme un lys parmi les ronces, telle est ma compagne, parmi les jeunes filles. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. À son ombre, j'ai désiré m'asseoir, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Fortifiez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'enlace. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le désire. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Puis Jésus dit à ses disciples : Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture, et le corps est plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave à provision, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Soyez prêts à agir, les manches retroussées et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître
au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. La révélation de Dieu est dans un baiser. Un baiser en contact direct, intime, si proche avec Dieu. Voilà ce que nous chante le cantique des cantiques. Des caresses meilleures que le vin. Un parfum qui embaume et qui ravit. Une quête qui enflamme et qui dit l'union des corps, la jouissance et la plénitude d'une rencontre vis-à-vis, vie à vie, cœur à cœur, corps à corps. La révélation de Dieu est dans un baiser plutôt que dans un discours. Le cantique des cantiques est un chant d'amour et de désir si explicite, si humain, qu'il en a gêné plus d'un. Une telle gêne devant la force d'un désir érotique et amoureux que la théologie chrétienne en a rapidement fait une allégorie désincarnée, une métaphore spiritualisante entre Dieu et son peuple, entre le Christ et son Église. Trop de chair fait peur. Trop de plaisir est suspect. Trop de désir semble dangereux. Et pourtant, il y a dans ce chant un secret bonheur qui nous attend et qui vient chanter à nos oreilles et à nos corps ensommeillés, engourdis, peut-être malmenés. Rabbi Akiba, en 130 de notre ère, dit que ce livre, le plus court de la Bible, est aussi le plus nécessaire, car le monde n'avait ni sens ni valeur avant que ce cantique ne soit donné à Israël. Et Rabbi Akiba fera en sorte qu'il soit gardé dans le canon hébraïque après moult controverses. Certains théologiens chrétiens pressentent aussi qu'en célébrant l'amour humain, ce poème renvoie à l'être même de Dieu et exprime mieux que tout combien, à quel point, à quelle intensité Dieu est amour. Origène, au IIe siècle, écrit « Heureuse la personne qui comprend les cantiques de la Bible. Plus heureuse encore celle qui chante le cantique des cantiques. » Chanter le cantique des cantiques, qu'est-ce à dire? Eh bien, peut-être que c'est aller désensabler le désir profond qui est en soi pour aller à la rencontre de l'aimé. Entrer dans ce lieu si intime, si précieux, dans cette chambre, ces appartements secrets où le bien-aimé nous attend, nous attire et nous étreint. Qu'il me donne le baiser de sa bouche, qu'il me couvre de ses baisers. Contrairement à tous les codes de convenance, le cantique des cantiques s'ouvre avec la parole de la femme. Elle prend la parole en tout premier et elle parle de son désir d'amour. Souvenez-vous,
Ève était silencieuse et parlait par d'autres. Adam, Dieu. Elle était menée ici et là. Elle ne pipait mot. Et voilà qu'elle, la femme du Cantique des Cantiques, prend les devants et la parole, car elle ne veut pas seulement entendre parler de lui. Elle le veut lui, sans intermédiaire, sans explication théorique, sans filtre. Elle veut le ressentir et le toucher. Elle veut être comprise, acceptée, aimée entièrement par lui. Le sensoriel et le sensuel disent ici le monde divin, comme une expérience incarnée, palpable, tangible et aussi délicieuse, savoureuse. Notre désir est infini, car il est désir d'infini, écrit le philosophe Denis Marquet. Et pourtant, on a jeté un sacré discrédit religieux sur le désir, alors que c'est lui, le désir, qui signe la vie, qui est signe de vie, et qui nous fait avancer, courir, chercher, rebondir et nous émerveiller. On a préféré au désir le devoir. C'est moins palpitant, mais apparemment beaucoup plus sûr. Ça peut être une lente agonie de soi, mais qui reste certes dans le convenable des conventions. Mais le Cantique des Cantiques insiste. Mon bien-aimé est là. Il m'accueille, il se donne, il est prêt, alors qu'il me couvre de ses baisers. Oh, ton nom est un parfum raffiné qui se répand. Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe qui repose sur mon cœur. Attire-moi à toi, entraîne-moi, courons. Quel est mon désir profond? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui me meut, qui me met en vie? C'est bien là la trace du divin. Le divin en moi qui cherche à se dire, à se vivre, à se partager, à se libérer et à se ressentir. Et voilà le bien-aimé qui nous appelle. Lève-toi, mon ami, ma belle. Va de toi-même pour toi-même et vers toi-même. Ma colombe, fais-moi voir ton visage, toi qui es si douce. Oui, viens, mon bien-aimé, sortons. Allons dans les champs. Passons la nuit parmi les fleurs de henné. Il y a aussi, dans ce Cantique des Cantiques, des passages plus sombres, plus durs, qui traduisent l'épreuve ardue qu'est parfois l'existence. Il est fait mention de petits renards qui ravagent les vignes, à l'image de ces soucis extérieurs, de ces jugements que les autres portent parfois sur nous ou qui sont en nous, tous ces jugements qui nous assaillent et qui gâchent tout. Il est fait mention de nuits douloureuses où l'absence du bien-aimé devient insupportable, tel un rendez-vous manqué, tel un raté dans la relation qui désespère. Il y a aussi la blessure et les coups qui sont encaissés par la femme du fait des gardiens de la ville. À l'image de ces épreuves d'une extraordinaire violence qu'on ne comprend pas et qui parfois viennent nous briser dans notre élan, dans notre existence. Oui, il y a parfois le désir qui se transforme en inquiétude, en angoisse, quelque chose qui vient ronger de l'intérieur. Alors si tout n'est pas idyllique dans ce Cantique des Cantiques, c'est aussi justement sa force, une force particulière,
celle d'un désir renaissant, jamais complètement vaincu, qui refuse de renoncer. La bien-aimée ne se laisse arrêter par aucune fatalité. Désespoir, silence, amertume, coup, rien ne l'arrête dans la quête de son bien-aimé. Et lui de même, telle une danse qui est jamais achevée, tel un tango renaissant, telle une alliance qui est plus forte que la mort, qui traverse le temps, qui traverse les vicissitudes. Cette tension entre plénitude et manque, entre bonheur et blessure, entre accomplissement et échec, cette tension fait écho à l'évangile de Luc au chapitre 12 que nous avons aussi entendu. Je ne pouvais quand même pas rester qu'au cantique des cantiques, il fallait une parole d'évangile. C'est une parole qui est autre et qui pourtant pose aussi un dilemme. Faut-il être insouciant ou vigilant ? Vivre comme les oiseaux et les lys des champs, sous la grâce providentielle de Dieu, sans se soucier de rien ? Ou alors faut-il tenir notre lampe allumée pour être à l'affût, pour garder les manches retroussées, pour ne pas louper les signes, l'arrivée du Maître, tendu vers cette rencontre qui est au-devant de nous ? Insouciance ou vigilance ? Confiance ou intranquillité ? Émerveillement ou décryptage des signes ? À mon avis, il ne faut pas choisir. Il faut tenir ensemble ces réalités contradictoires de nos existences, accepter insouciance et vigilance, vivre de confiance et d'intranquillité, s'ouvrir à l'émerveillement et aller au-devant de notre réalité contemporaine en décryptant les signes. Il s'agit d'assumer le paradoxe de notre foi en Christ. Nous avons tout reçu de la part de Dieu. Nous sommes son Église, appelée à transformer le monde, mais en même temps, nous sommes tendus vers un royaume que nous ne voyons pas encore, une réalité qui nous échappe. Nous vivons un peu comme Paul le formule, nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire, nous ne faisons pas le bien que nous désirons. Nous sommes aimés sans condition, et pourtant, nous sommes encore aux prises avec le rejet, les jugements, la violence, la haine. Oui, nous pouvons vivre dans l'intimité du bien-aimé. Nous pouvons être auprès de ce Dieu doux, prévenant. Et pourtant, lui nous échappe toujours. Il nous surprend, il nous attire ailleurs. Et c'est peut-être un des plus beaux cadeaux du Cantique des Cantiques, cette parole d'un Dieu qui chante à plusieurs reprises « N'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le désire. » Nous croyons en un Dieu pleinement respectueux de notre désir, de votre désir, de mon désir, qui attend notre consentement et qui jamais n'exerce de pression pour obtenir quoi que ce soit de nous. Un Dieu doux, un Dieu prévenant, un Dieu aimant, un Dieu bien-aimé et tout aimant. L'ouverture du Cantique des Cantiques était surprenante. Souvenez-vous, elle commençait par le happy end, un baiser échangé et désiré par la bien-aimée. La fin du Cantique est tout aussi surprenante. C'est à nouveau la parole de la bien-aimée. Et voilà ce qu'elle dit à son bien-aimé. « Fuis,
Pars. Sois toi-même. Sois semblable à la gazelle et au jeune faon sur les collines embaumées. Nulle emprise dans cet amour, mais un désir qui laisse l'autre libre d'aller et de devenir. Je vous invite à la prière. Un jour, ta voix nous a appelés, Seigneur. Ta parole nous a créés. Nous voulons être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, germes de paix et d'espérance pour le monde. Nous te prions pour ceux qui ont perdu l'espoir, pour celles qui ont renoncé à y croire, là où la paix a déserté la vie, fais lever des prophètes et des prophétesses qui sachent rappeler que tu es toujours là, au cœur même du désespoir. Que ton Église jalonne les routes humaines de gestes et de paroles qui donnent une authentique espérance. Que les communautés de notre ville et de notre canton, ton espérance se fasse un chemin à travers nos vies quotidiennes. Dieu de l'éternité, nous te prions pour les personnes en deuil. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour la famille et les proches de notre collègue pasteur Jean-Pierre Tsourne. Jean-Pierre est décédé hier, samedi matin. Dieu de la vie, envoie ton esprit de lumière et de consolation. Que notre vie personnelle soit un signe concret d'espoir aux yeux de tous, et surtout aux yeux des plus humbles et des plus humiliés. Aujourd'hui, tu inscris ton nom dans notre chair. Ton œuvre est dans nos mains. Fais de nous des germes de paix et d'espérance pour notre monde et notre société. Et ensemble, nous pouvons partager la prière du Christ, celle qu'il nous a apprise et qui fait de nous une famille de frères et de sœurs. Avec la COSMG et guidée par Pascal,
nous pouvons la signer et la prier d'un même cœur en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez, venez goûter comme le Seigneur est bon. Venez, venez à la fête. Venez afin de partager le pain et le vin. Mais pour cela, laissez vos outils et vos peines et habillez vos cœurs de fleurs des champs. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Dieu est là, Dieu se donne. Dieu crée pour nous cet espace où il nous invite à goûter sa joie de Père. De ce repas partagé au nom de Jésus-Christ, jaillit la vie, comme un vin à la saveur d'éternité. Alors venez, approchez et goûtez comme le Seigneur est bon et comme il nous veut du bien, à chacun et à chacune et à nous tous ensemble. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te les présentons. Tu en fais pour nous les signes de ton royaume, comme les épis jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines, sont aujourd'hui réunies sur cette table, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Avec les hommes, les femmes et les enfants de toutes les générations qui ont vécu dans ton amitié, nous chantons ton saint nom d'une même voix, d'un même cœur, au numéro 129. La veille de sa mort, le Christ est allé au bout de l'amour et du don. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir. Il partagea le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez. » Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te dire merci. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. »
qui sera versée pour vous et pour tout le monde, pour le pardon des péchés. Puis il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Prions. Ô toi, souffle de Dieu, Esprit Saint, viens en nous et donne-nous de communier à la vie de Jésus-Christ en partageant ce pain et ce vin. Fais-nous entrer dans l'amour vivant du Christ et apprends-nous à nous aimer les uns, les unes, les autres, comme toi tu nous aimes. Amen. Et le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur qui a été rompu pour chacun et chacune d'entre nous. Cette coupe de bénédiction est communion au sang et à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous et pour toute l'humanité. C'est le vin de la fête qui vient. Nous avons préparé cette table, mais c'est le Christ lui-même qui la préside et qui nous invite dans la liberté à venir partager son repas et à dire ensemble que nous sommes corps du Christ, frères et sœurs, dans une même espérance. Nous sommes ici accueillis tels que nous sommes aujourd'hui, et c'est un amour infini qui est versé dans nos vies et dans le monde. Alors venez, car tout est prêt, partageons ce repas en frères et en sœurs. Quelques consignes. Il paraît que les premiers seront les derniers, que les derniers seront les premiers. Nous vous invitons, en venant de l'allée centrale, en commençant par les derniers bancs, à venir jusqu'ici. Laurence et moi vous donnerons le pain. Prenez ensuite une de ces petites coupes sur, je ne sais jamais comment il faut dire, là où c'est rouge. C'est du vin, là où c'est bleu, c'est du jus de raisin. Et quand il n'y en aura plus, il y en aura encore. Qu'il fait bon être dans ta maison, auprès de toi. Merci Seigneur. Qu'il est bon de voir les visages des uns et des unes et des autres et de nous nourrir de notre mutuelle présence. Merci Seigneur.
élargis l'espace de nos vies. Donne-nous de cueillir, d'accueillir, de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos routes. Et donne-nous de t'offrir nos vies, généreusement, sans peur, et de célébrer ta gloire chaque jour. Tu es notre Dieu, nous t'aimons tant. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte un peu particulier à 15h, hein, comme ça, c'était assez original. Et un temps de merci, merci d'abord pour votre présence, pour oui, tous vos visages, le fait de venir ici ensemble partager la parole, le pain et le vin. Un grand merci à Patrick et à tous les collègues de la rive droite qui nous ont accueillis, qui m'ont accueillie comme modératrice avec générosité, talent, compétence. Mille merci d'avoir célébré avec moi, avec nous tous, pour cette fête de l'Église. Et je crois qu'Eva, tu as aussi quelques mots à dire pour ce temps de merci, parce qu'avant ce culte, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, de rencontres, d'effervescence. J'ai une grosse voix, mais quand même. Celui-là est allumé. Ah, voilà. Merci. Vous avez participé à cette assemblée de l'Église, donc merci à vous toutes et tous d'avoir été là. C'est ça de faire Église ensemble, c'est de faire communauté. Mais il y a tout de même quelques personnes qui ont mis plus de travail que nous en débarquant à la fête et en prenant l'apéritif ensemble et en passant un moment ensemble. Et je vais leur demander de venir ici pour que vous puissiez les identifier. Donc ils ne sont pas au courant et évidemment ils vont m'en vouloir. Donc j'invite, il n'y a pas d'ordre, mais... d'importance, je les invite juste suite à ma liste. Yazan Savoie, donc président de la paroisse, conseil de Centre-Ville Rive-Droite. Alors, je dis tous les noms et comme ça, on applaudit un grand coup. Yazan est bien sûr très important, mais alors on va faire un grand applaudissement. Marinette Payot, Sylvie Serex, Bella Adadzi, Étienne Jeanneret, Martine De Félis et deux personnes du secrétariat général qui, malgré le fait qu'elles ont fait ça parce que c'est leur job, se sont quand même investies de manière assez exceptionnelle, Flore Brannon et Eleonore Mestre-Goldschmidt. S'il vous plaît, merci. L'Église ne fonctionne que grâce aux bénévoles, on a toutes et tous un rôle, mais quand on a des gens qui s'investissent pour que ça puisse fonctionner, ça mérite notre reconnaissance. Donc un grand merci et on peut continuer le culte. Merci Eva. Et puis dans les merci, un grand merci aussi à notre trompettiste du jour, Giuseppe Ferlita, et puis à Diego Innocenzi. Bonjour. Petit cadeau, il y a le bon pour l'année prochaine. Donc, on vous attend. Non, c'est un gag. Voilà, une fois qu'on donne, eh ben, on ne sait pas jusqu'à où on donne. Voilà. Alors, levons-nous pour chanter « À toi la gloire », 318, d'un seul cœur, d'une même âme, 318, les trois strophes. Thank you.
Puissions-nous demeurer reconnaissants de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Puissions-nous demeurer reconnaissants de tous les sourires partagés, échangés, de tous ces mots que nous nous sommes offerts. Puissions-nous demeurer reconnaissants de ce que nous donnons forme à une Église qui est pleine de vie et qui est porteuse d'un évangile de paix. Mais puissions-nous aussi demeurer reconnaissants de la confiance que notre Seigneur place en chacun et en chacune d'entre nous. Surtout lorsqu'il nous demande de laisser de côté nos jumelles, celles qui nous permettent de lorgner ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre rive, afin de demeurer ensemble, les uns, avec les autres. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la route s'ouvre à ton approche, que le vent soit toujours dans ton dos, que la lumière du soleil réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans ton champ, et jusqu'à ce que nous nous revoyions, que Dieu te garde dans la paume de sa main. Allons dans la paix du Christ. Amen. Protestants, vous avez vu dire qu'on a oublié l'offrande. Ah ! Donc vous avez un QR code pour celles et ceux qui maîtrisent cette technologie sur vos feuillets. Et puis deux corbeilles vous attendent à la sortie, faites leur bon accueil. C'est pour notre église ce jour. Merci, bonne fin de dimanche et à bientôt.